Au milieu d'une idée, d'un geste ou d'une histoire, il m'arrive souvent de m'arrêter et de m'apercevoir que je ne ressens rien. Que m'est-il arrivé? Quand ai-je fait naufrage? Comment suis-je dépourvu d'ardeur et de courage? Je veux avoir confiance, je veux mourir d'effroi. Je dois identifier cette absence d'émoi et j'en cherche la source, mais ne la trouve pas. Alors je me rabats sur l'actualité. Je me gave aux nouvelles, j'écoute les débats, la sécheresse au Sahel, victime des bolas. Mais les décapités du monde musulman ont battu maltraité en cage à la SPA, je reste indifférente. Je suis une banquise, je comprends. J'analyse et j'y pense souvent, très rationnellement, je pose des balises à la moralité, mais je ne vibre plus. Parce que j'ai tout vu de leur machination et que j'en suis blasée. C'est gros comme le nez au milieu du visage, le trait de surligneur par-dessus le message. On me dicte la peur comme devoir et leçon. On me tire des larmes à grands coups de canon. Mais on oublie que moi, les obligations, les règlements, ça me coupe l'envie et m'excite follement la désobéissance. Et quand le contenu brille par son absence, je ne m'indigne plus. J'ironise. Mais soudain, comme prise de lucidité, je sens mon avenir. Je vois le froid calcul de l'idéologie, la solution pratique, applicable, radicale, implacable, avancée de mon âme malade. Le bout où je dérape, parce que je ne me mets plus à la place de l'autre, car le tissu de ma vie est tellement déliné qu'elle ne se tient plus que par lampe au ballon. Je suis un pion, perdu dans le désert de mon cœur. Je me cherche des frères et des sœurs et un dieu, mais je ne trouve rien que mon reflet affreux dans l'eau de l'oasis. Mon mirage intérieur, la laideur en moi, et la colère en moi, et le sang en moi, et la mort au bout de moi-même. Je porte tout en moi, tout ça, dans mon humanité en qui je n'ai plus foi et qui ne me fait plus rien. Alors, allez-y, bombardez à cœur joie, donnez-moi des viols, des brûlures à l'acide, des enfants décharnés, armés et impavides, continent de déchets, marée noire, fond marée vide, cancer du pancréas, pandémie, pédophile, explosion de silicone dans des corps prépubères, champs pétrolifères en feu et flammes, de forêt, vieillards abandonnés dans le charnier fumant, pour s'en débarrasser par ce qui coûte de chair, et le retour sur terre de Satan avant la fin de l'année! Je veux dire, comme on dit, trop, c'est comme pas assez. Alors, je ne veux plus rien prendre. Sinon, un peu de temps pour évaluer ma chance. Cesser d'être coupable par omission et rentrer dans la danse. Défricher les chemins pour retrouver celui qui mène à la passion et espérer encore qu'il y aura mieux demain. Voilà!